Grand-père, réveille-toi. Nous avons un client. Oh, bienvenue. Content de te voir. Vous avez quoi à me vendre? De tout. Oula, ouais, encore intéressant. Organique, ça c'est pour moi. Trip du dragon, c'est pour... Ouais, plus tard. Voyons. Salopard, c'est pour Vincent. C'est qui plus tard? PD. Voyons voir. Regarde deck pour Yuffie. Y'a quelqu'un qui s'appelle plus tard? Mais oui, il a dit c'est pour plus tard. Une pointe rouge, c'est pour Kachi. Micro laser. Non. Voilà. Merde, j'ai plus assez. Alors, quand il n'y a plus assez, qu'est-ce qu'on fait? On vend le crâne. On vend de l'éther, ça coûte cher. On t'embauche. C'est quoi, hein? C'est quoi ces gens là-bas, merde? Mais il y a des ennuis. Oh, salut! Je me casse! Je me casse, moi! Les voilà, dépêchez-vous. Bonjour. Il fait plus froid que d'habitude aujourd'hui, hein? C'est 200 giles. Tu veux passer la nuit? Ouais, on séjour. Non, c'est clair, du trafic savoir. Ouais, c'est sympa la luge. Oui. Mais enculé, va te faire foutre. Eh, sois prudent quand même. Bon, bon, bon. Alors, on y va. Et hop. Et là, c'est parti. Ouais. Un ballon, qu'est-ce que ça fout ici? Putain, mais j'attrape les rouges. Hop là. Et hop là. Eh merde. Ouais, j'entends des voix, c'est pas vrai. Attention, je suis un pro, moi. Hop, hop. Oh, je vous dis tous. Hop, hop. Mais tu viens d'enculer. C'est pas grave. Bon. Ah, vous êtes fait enculer par un arbre. Oui, merde. Qui s'en prend? Ah, merde. Il y a tout un peuple ici. Ouais, attention. Bienvenue. Vous avez déjà entendu parler de ceux qui ont défié la falaise? Non. Selon une légende ancienne, il y a très longtemps, quelque chose est ici, tombé du ciel. Je sais, je ne sais pas parler. C'est ce qui aurait surélevé la terre et créé cette falaise. Vous comprenez? Il y a 30 berges, Amski et moi avons escaladé cette falaise pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et Amski est mort. Mais nous étions pas préparés. Nous attendions à ce qu'il fasse froid. Mais je vois que mon histoire vous emmerde. Eh bien, je vais arrêter. Ah, le glacial souffle toujours sur cette falaise. Cette air froid fait chuter la température du corps et les cheveux aussi. Merde. Il y a Mski qui se trouvait au-dessus de moi. Au-dessous. Même, pareil, à lui-même couper la corde qui le retenait. Il est tombé comme un con. Et qu'est-ce qu'il y a? Depuis, je me suis installé ici. Je continue à défier la falaise et je surveille et encourage les grimpeurs. Premièrement, vérifie ton itinéraire. Il est très dur à déterminer en raison de la neige. Alors t'appuies sur la touche OK pour confirmer l'itinéraire, sur la touche carré, appuie plusieurs fois pour cette touche pour augmenter la température du corps. Je trouve que c'est logique, non? Hein, la chienne, tu m'as compris? Non, je parle pas à toi. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la falaise. Changer de membre? Eh, pas question. Eh, Tifa, ça va? C'est rien. Oh, putain de merde, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut? Et je me dis, sinon, oh, putain. Non, non, pas question. Ah, barrette. Tu sais, ici, on a l'impression que la planète n'est pas de notre côté, non? Hein? Il est évident qu'on ne peut même pas résister. Je veux dire, la planète ne nous remarque même pas. Nous, les humains. Putain, le froid, ça rend complètement con. Tu veux changer mon membre? Pourtant, les dragons. Et les Kachit. Ah, c'est confidentiel, mais Rufus, ben, il est venu ici.